Salut les gamers, gamers, on se retrouve aujourd'hui pour la démo de Resident Evil The Village. Donc Resident Evil 8. Donc la démo est exclusive sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc il y aura deux démos comme ça qui vont être exclusives à la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Et vous avez une durée limitée de 30 minutes pour y jouer. Donc ruez-vous dessus très rapidement parce qu'elle est limitée dans le temps aussi. Vous pouvez plus la télécharger au bout d'un moment. Donc la première démo qui est sortie dimanche. Ce dimanche là, hein, dimanche 28 avril à 7h, à 8, ouais, à 7h, pardon. Et pareil, il y aura une autre démo donc le 25 avril qui sortira aussi à 7h. Et le 2 mai, il y aura une démo pour toutes les plateformes. Mais là, c'est réservé spécialement pour PlayStation. Donc vous avez 30 minutes pour pouvoir tester la démo. Donc la première démo va être centrée sur le village, la deuxième démo va être centrée sur le château. Vous avez une demi-heure pour pouvoir examiner, approfondir un petit peu cette différente zone. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, donc pendant ces prochaines 30 minutes sur la chaîne. La prochaine fois, je pense que je le ferai en live, comme ça ce sera beaucoup mieux. Et là, j'avais un live en Instagram en décalé, donc je pouvais pas le faire. Donc je vous prévois ça pour la prochaine fois. Mais donc là, voilà, on est parti pour 30 minutes sur Resident Evil The Village, donc à la découverte de ce fameux village. On reprend donc Ethan Winter, qui est le héros de Resident Evil 7, donc qui va être aussi le nouveau protagoniste, parce qu'il y aura un autre protagoniste comme Chris Redfield. On verra ça dans le jeu. Le jeu sort le 7 mai sur toutes les plateformes. Donc pour sortir 3 démos avant le jeu, c'est que Capcom est quand même assez confiant. Et d'ailleurs, c'est Capcom qui est éditeur et développeur de ce jeu. Allez, on ne veut pas plus attendre. C'est y part. Bon allez les amis, c'est parti, on s'attaque donc à cette démo de Resident Evil Village. Donc on a une petite demi-heure donc pour finir, ou du moins aller le plus loin possible. Donc allez, c'est parti. Donc j'ai déjà réglé quelques trucs genre la voix, j'ai mis le voix Jap avec FR et tout ça. Allez, c'est parti. Alors, pour la vidéo, je pense que on va partir sur du standard, parce que j'ai vu certains trucs comme quoi les personnages sont durs à tuer, donc j'ai pas envie qu'on passe trop de temps à essayer de tuer des ennemis alors qu'on n'a qu'une demi-heure pour jouer. Donc on va avancer le plus vite possible, le plus loin possible, donc à travers ce village. Donc le but, c'est quand même de pouvoir vous montrer un maximum de choses, qu'on puisse se faire un petit avis réel sur ce Resident Evil Village. Qui pour le coup, pour l'instant, me semble, enfin d'après les derniers, le dernier showcase ce qu'ils nous ont montré, c'est plus ou moins intéressant parce qu'ils ont montré pas mal de choses à travers ce jeu. Et ils ont montré qu'il y avait le nouveau mode mercenari qui a l'air d'être super cool. Il y a plein d'autres trucs comme ça, donc c'est la suite de Resident Evil 7. Espérons qu'il soit un peu plus dur et qu'il revienne un peu plus sur le classique. なあ、あんた。ここにいると危険だ。何を。あ、でじゃ、え、俺は邪魔。聞こえてるのか。し。あ、そうなったか。あの子の父親だな。あの子って。まさか、ローズがここにいるのか。ローズ。そうとも、ローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて、すべては闇に出した。何。あの化け物のことか。OK、だか。城の鐘が災いを告げておる。Semblerait que Rose, sa fille, soit un peu la clé de l'histoire。待て、ローズは、マザーミランダって。我らがために鐘は鳴る。また奴らが来るのじゃ。Rose, cette vieille folle。Elle ne dit rien qui vaille. Bon, bah, on va commencer par fouiller tranquillement le début. On a une petite demi-heure, donc là, on va essayer d'aller le plus loin possible sans perdre trop de temps. Il y a des bails sombres, hein, non ? Il y a des trucs sombres quand même. Ok, fluide chimique. Ah, donc l'interface comme à l'époque. On retrouve la petite mallette. Avec les différents emplacements, avec les trucs qui vont prendre de la place en emplacement, c'est propre à Resident Evil, hein, ça c'est, on connaît. Donc on peut fabriquer des trucs, donc notamment
des remèdes de premier soin avec des plantes et des fluides chimiques. Est-ce que je peux fabriquer là? Non, il me manque. Ah oui, c'est en rouge. Il me manque la plante, donc il me manque une plante pour fabriquer. Ok, d'accord, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a des bails. Il y a d'autres bails. En tout cas, pour de la PlayStation 4, je trouve ça quand même plutôt. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se défendre. Oh, regardez les mains. Ces mains sont ultra bien faites. Les rides et tout. Oh là là, excellent. Le jeu est beau, hein. Le jeu est plutôt beau. Bon, bah vas-y, on va explorer un petit peu, histoire de voir ce qu'il en est et ce que nous réserve ce village. Donc là, on arrive sur une petite place. Ok. Le château de Dimitriscus. Donc c'est la grande femme là qu'on voit dans le truc. Donc là, on a un premier... Ok, elle pointe vers le château, hein, bizarrement. Chèvre protège bien. Ok, d'accord. Faut pas buter les chèvres, apparemment. Faut pas s'en prendre aux chèvres. Ok, bon, bah, ok. Pour aller au château, va falloir poser des trucs ici. Avec l'impression de tête de démon et quelqu'un qui tuerait un démon, là. Mais le démon a l'air de grailler quelque chose, non? Ouais, c'est un peu bizarre, mais ok, mais pas de soucis. Bon, bah, d'accord, va falloir trouver ces trucs-là. Alors, où est-ce qu'ils peuvent être? Ok, c'est fermé. Je viens de là-bas. Et ben. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah oui, je vous ai jamais dit. Moi, j'ai un petit. Ok, c'est fermé, il faut une clé. J'ai un petit truc, c'est que je n'ai jamais peur, en fait. Que ce soit devant un jeu vidéo, un film ou machin, ou quelqu'un qui me fait. Qui essaie de me faire sursauter, quoi, j'arrive pas à avoir peur. Donc malheureusement, j'ai aucun jeu qui arrive à me faire peur, mais bon, peut-être que celui-là arrivera à me faire déclencher un petit sursaut, un petit quelque chose. Donc oui, je parlais comme ça, j'ai ramassé un truc comme si de rien n'était. Non, j'ai ramassé une des clés, ouais, qui apparemment a l'air d'être... A l'air d'être la clé pour arriver au château. Oh, mais attends, il y a des révélations de ouf sur ce truc-là. Elle, on la voit dans le trailer. Celle avec les ailes noires, là. Et c'est elle avec les ailes noires. Donc, c'est elle qui a l'air de gérer tous les bails. Parce que elle, on l'a vu, c'est Lady Dimitriscus, là. Bon, elle, c'est sûrement une des sœurs. Lui, j'ai oublié son blaze. Mais oui, on le voit beaucoup. Et c'est lui qui nous kidnappe dans le truc, là. Je soupçonne d'être un lican, d'ailleurs, que c'est lui qu'on voit. Mais d'accord, donc ça veut dire que c'est bien... ce que traînait comme rumeur depuis un petit moment, et il y avait une photo au Japon, je ne vais pas perdre de temps parce qu'on a qu'une demi-heure pour jouer, et il y avait une photo au Japon qui était sortie avec un artwork du jeu, du coup, avec quelqu'un avec un masque, et on se demandait si c'était vrai ou pas, et ben c'est vrai, ok. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief, et l'un d'entre eux se trouve dans l'église. Ok, l'autre est confié à Louisa, mais moi j'en ai un déjà, ok, donc j'en ai récupéré un. Et on va récupérer l'autre avec Louisa, et qui est dans le village apparemment, donc on sait pas où, trop où est ce village. Ok, bon, on peut pas passer par ici. Mais ouais, oh, révélation de ouf, j'ai pas le temps de m'attarder trop dessus parce que je vais vous montrer un maximum de choses. Mais révélation de ouf, donc c'est une... Ok, il faut un truc pour faire descendre la... Donc c'est ce qui est dit était vrai, c'est que... On a combien de temps, il nous reste 24 minutes. Ce qui est dit était vrai, c'est-à-dire qu'en haut, Lady Dimitriscu, elle répond à quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Donc, c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant. La farine. C'est plein de farine. Vous pouvez utiliser les étagères pour barricader les portes. Ah ouais, d'accord. Attends, mais comment? Ah, ok. Ah, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a des bails qui vont m'attaquer, là, non? Ah, le petit lican, t'as vu? Oui, et du coup quand il faudrait avoir peur, et ben moi ça me fait rire, du coup je rigole. Peut-être que je suis pas fait comme tout le monde. Pas fini. Le gars est pas fini. Attends, j'ai récupéré quoi là? Fiche pompe? Et mine?
Ok, est-ce qu'on peut les placer dans le raccourci? Ah bah ils sont déjà dedans. Ok, parfait. Gros fiche pompe, c'est cool ça. Ok, bon du coup ça veut dire que si j'ai des ennemis, je peux les amener ici, barricader ça, utiliser ça apparemment. Mais après je suis cuit s'il ouvre la porte là, non? Enfin bref. Comment je change d'arme? Ah oui, c'est ça. Oula, 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 il y a des bails là. Ok, il y a des bails. Il y a des bails. Oh, ça court dans les champs. Hein. Vas-y, attends. Attends. Pas moyen de passer sur le techo là. Vas-y, attends. On va voir si on peut passer sur le tech. Étant donné que le but c'est de vous montrer un maximum de choses, j'aimerais éviter un maximum de combats. Pour éviter de perdre du temps et vous avancer sur le jeu. En tout cas, le jeu est très très beau, très très bien fait. Sur de la PS4, c'est incroyable. Donc ça rassure parce que le jeu de base était développé sur PS5. Et vu qu'il n'y a pas assez de PS5, le parc n'est pas assez grand, ils ont dit bah on va peut-être le mettre sur PS4 aussi. Mais le jeu est propre. Hein. Bon, il est pas ouf. Là quand tu t'attardes sur 2-3 détails c'est pas ouf mais c'est plutôt bien fait, c'est très très beau. En tout cas c'est ce qu'on peut s'attendre en fin de PS4, tu vois, à avoir sur une console. Je trouve ça intéressant, je trouve ça beau pour la PS4. Ouais, tu vois, quand tu regardes de près tu vois que c'est un truc qui a pas de face, quoi, qui a pas de volume, je veux dire. Mais bon, bref, on va avancer doucement parce que je sais pas trop où il est, je l'entends fort là. Je l'entends fort mais je le vois pas du tout. Oula, j'ai beaucoup de bruit. Il est où? Ah, il est là. Est-ce que je crois que je peux le poignarder si j'arrête doucement? Ah! Oh le bâtard! Run! Ah, attends, bah justement, on va tester les fameuses défenses. Alors, allez, approche ta petite tête. Il peut le péter, ça. Ok. Ah, il est pas beau, lui. Hein. Petite balle dans la tête. Il prend combien de balles dans sa tête? Je vais essayer de bien viser son crâne. Ok. Ouais, mais ils sont hyper résistants et je suis en normal. Hein. Wouah. Et moi, il me manque les zombies. Hein. Ok. Oh, ça y est. Wouh! Je l'avoue, j'ai joué safe. Mais ils sont résistants. Je vais faire quelques balles en attendant parce que... Ok, là, j'ai tout pour faire des balles. Ok, d'accord, moi c'est fait. J'ai récupéré des munitions tout à l'heure pour le fiche-pompe. Ok. Bon, et ben... Ok. Et ben ils sont plutôt résistants. Plutôt résistants, ces petits gars là. Waouh, je l'ai vu jumper. Oh, je l'ai vu jumper. Oh, il est arrivé comme un. Oh, il est arrivé comme un Pokémon, lui. Ah, il est mort. Waouh, mais il est arrivé de nulle part, frérot. Il est arrivé. Oh, il gambadait dans le champ. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? Il sautillait dans le champ. Ok, on peut construire un premier soin. Waouh là là. Mais heureusement que j'ai tourné la caméra. Et moi je pensais être safe à esquive le champ. Parce que évidemment les champs, gros, dans tous les jeux, les champs c'est des bails sombres. Ok, on peut pas sauter. En fait, plus j'arrive dans les jeux, plus j'avance, plus je me dis que maintenant j'ai un problème avec les jeux où je ne peux pas sauter. Je sais pas pourquoi, mais les jeux où j'arrive.
Les jeux où j'arrive pas à sauter, ça me pose un problème en fait. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, on va avancer doucement parce qu'il y a des bails sombres là. Hey. Il y a des bruits. Ah, il est là, il est là. Vas-y, attends, on va essayer de passer sans alerter là. Et le toit, il est où? Le toit, il est où? Déjà. Ah, les mains sont trop bien faites. Ok, les détails sont pas mal. Et il a disparu? Il a disparu, le gonze. Ok. Ok, 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 il y a des gens. Il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. En tout cas, c'est palpitant ce début de game là. C'est... Et l'ancien, l'ancien, calme-toi avec ta machette. Calme-toi fort avec ta machette. Non, mais vraiment, c'est début de game. Très intéressant. Wow, la vie qu'ils ont, c'est incroyable. Heureusement que j'avais le fusil à pompe. Ok. Qu'est-ce qu'il regarde? Mais j'avoue que la technique de tu tires la porte, tu te caches derrière, pop, pop, pop. Je suis pas sûr que ça tient longtemps parce que j'avais pas d'issue derrière, mais c'est pas sûr que ça tient longtemps. Mais en tout cas, c'est, ça m'a permis de pouvoir le tuer tranquillement. Mais n'empêche qu'il a eu. Je lui ai tiré dessus 5 fois dans la tête, je crois. C'est un peu une technique de lâche, hein. Mais il a l'air plus fort que moi. Donc automatiquement, je vais pas me risquer à faire quoi que ce soit. Le gars a l'air plus fort. Moi, ça me va, hein. Ah, parfait, ça. Petite balle pour le pistolet. Ouais, ça, j'ai un manivelle à trouver. Hein. J'espère qu'elle y est dans la démo, là. Ça fait le deuxième puits que je vois avec cette histoire de manivelle. Je l'ai ramassé ou pas, le truc? Ouais, je l'ai ramassé. Ok. Là. Ah, il me faut une clé pour ouvrir. Et dedans, il y a la. Il y a deux. Ah, la deuxième partie, c'est la tête du monstre. Bon, bah, ok. Si je récupère ça, j'ai la deuxième partie pour ouvrir le truc là. Iso, coaché. Donc, oui, on reprend. J'ai pas expliqué, mais on reprend la suite des aventures de Ethan Winter. Donc, les têtes sont super bien faites. Toujours un petit problème avec les cheveux moi dans les jeux, mais la tête et les visages sont bien faits, très bien faits. Ok. Ça tape derrière la porte, non? Ah non, d'accord, c'est l'autre qui est tapé sur la porte. Mother Miranda no gokago ga aru hazu nano ni. Elle a pas tellement envie de protéger qui que ce soit, mère Miranda là. Tosan. Vas-y, ouvrez la porte. Oi. Dareka iru ka? Yoso no hito ja dame. Luisa, doa o akete. Ah, c'est Luisa. Oh, Luisa, tu vas me donner vite. Oh. Tamare. Sakebu na. Bakemono ga furu daro. Ok, donc là, ça veut dire c'est la baraque à Luisa, donc elle va pouvoir nous aider. Luisa, c'est mieux que tu me donnes la clé tout de suite. Et j'y vais, t'as vu? On va pas rester, hein. Non, on n'est pas du village, non. T'aurais été cool, un genre de narration où vous pouvez choisir, mais bon, ça aurait cassé la dynamique de la cinématique, je pense. C'est peut-être pour ça qu'ils le font pas. Ok. Combien de temps il me reste? Oh, 13 minutes. Oh, c'est passé tellement vite. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir chômé ou fait quelque chose d'autre, hein.
Incroyable, c'est, le temps est passé super vite. C'est marrant, il y a des éléments du décor qui sont hyper bien faits, genre comme le sac en cuir là. On pourrait presque sentir la matière du cuir, c'est assez intéressant. Ok, donc c'est des photos du village. Côtier. Ouais, j'arrive. J'arrive. Ah, j'ai vu un truc que j'avais vu dans la démo. Ouais, ok, d'accord. Ben, Kochida. Ah, t'es là. Y'a rien à ramasser là. Non, ok. Ça, minna m'appelle. Ok. Ah, petite réunion d'alcoolique anonyme. Yosomo no ga koroshi ni kita no ga? Idamante, Anton. Futari o tasukete kureta no yo. Tare mo tasuke nante tanonje inai. Dozo, Ii-san. Tu vas te calmer, tonton, parce que là... Dehors, c'est pas tout rose, hein. Bougi dato. Kore no doko ga bougi datten da? Ugoke mo shine. Calmer fort, lui, hein. Baka mitei ni. Naku shika dekinei onna. お前もだ血まみれの死に損ないジジイによそ者まで連れ込みやがってこの家が安全だと安全な場所なんかねえ外の腰抜け連中もとっくにぶっ壊された。あ、でも、彼らは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 、Comme son putain de mari. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est comme disait l'autre, c'est parce qu'il a pris, ils ont pris le bébé que tout le monde s'est réveillé, c'est bizarre. Elle est sympa, la petite Louisa là, mais donne-moi les clés du bosquet qui adore là. Non, quelqu'un m'explique. Je ne sais pas. Juste comme si je vivais calmement, un jour, il y a un Ils étaient tranquilles et d'un coup ils se sont fait attaquer par les monstres. Okay. Nando, y'a t'es qui? Mate, Louisa. Dana-san, wa? Masaka. Iye. Kare wa doko ka ni iru. Zettai. Elle a grand chance. Eh, so yo. Mais si Lady Dimitricus, là, elle vous a toujours protégé, faut aller la voir, non? Je sais pas. Inorimashou. Kare ga. Elle y pensait pas à son mari et ils sont en train de lui mettre une pression incroyable. Ah, ça c'est la scène qu'on voyait dans le trailer qui est sorti il y a 2-3 jours. Donc ils sont malins, ils ne montrent pas ce qu'on ne peut pas voir encore. Les visages super bien faits. Et je peux déplacer ma caméra, hein, c'est moi qui bouge là. Les ailes noires, c'est les ailes noires de la meuf avec le masque qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, prie Mère Miranda. Ah ouais, c'est une secte incroyable. Du coup, oui, il lui voit un culte vu qu'elles étaient dans leur église. Incroyable, c'est vrai, j'ai zappé. Ces prières, je les ai entendues. Une vieille femme près du mission. Ah, okay. あのばあさんか。あのババアならもう完全に帰っちまってる。でもあの人はとても献身的よ。だからきっと彼女にもご加護があるはずだわ。 Moi je la veux son sa machette là. Oh, Leonardo, どうし たの? 大丈夫? Il est en train de se transformer en licorne, ce bâtard. Oh, goddamn. Hey, la Louisa, la plus chère. Elena, s'agottez-le. Yamete, hanashite. Ah ouais, mais lui, il est en train. Vas-y, mais tu veux. Nigelda. Une fois, je vais fumer mon pote, je vais prendre le petit pompe. Ah, elle va buter son dard. Ah, c'est chaud. Mais tu crois que Louisa elle avait la clé sur elle ou pas? Oui, Elena. Elle est plus ton père. C'est pas possible.
Ah ouais, ouais, il est pas mort, le frérot. Elena, itchadamada. Mais là, c'est dingue. Oh, je suis captivé, en vrai, je suis captivé par... Ah, par l'histoire. Par contre, c'est des... Ils sont sympas, mais... Otosan ja nakunatte ta. Mo hotte oite. Dame da. Koko kara deyo. Issho ni. Ke? Koko kara denai to. Bon. On continue. Donc là, il faut que je trouve les clés du Kamtar, apparemment, parce que déjà ça a vendu la mèche dans la bande-annonce. On va vite trouver les clés du camion. Et on va essayer de se barrer d'ici rapidement. Où est-ce qu'elles peuvent être ces clés là? Pas là-dedans. Ok, l'oseille. Les clés. C'est bon, j'ai les clés. Ah, le tournevis. Ok, ça... Si t'as besoin d'un tournevis, prends celui qui est dans le porte-clés. Ok. Ok, des cartouches. Ok. Allez, c'est parti. Allez. どうするつもり？離れてろ。こいつでぶち破る。Ok, donc là, hop, donc on a récupéré les clés du pick-up. Donc là, on peut accélérer. Ok, c'est pas la meilleure des choses à faire, si. Ok, si, c'est ce qu'il faut faire. Allez, bah go, feu. Ok, d'accord. Ah ouais, non, mais ça c'était. Mais quoi? Ah, もう一度。いいか。もう時間がない。OK、on a plus de temps。Allez、vite、vite。上しかないな。Combien de temps il me reste ? 3 minutes。OK、donc là、faut qu'on monte。On grimpe ici。Allez、go, go, 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 go. Allez、dépêche-toi, Elena, là。さあ、行こう。Allez。Allez、feu, feu, feu, madame。煙を吸うなよ。Ah ouais, bon, on remerciera plus tard. Vas-y, ça va. Ah ouais, évidemment. Kotina, ikeru. Je suis à fond dedans. Je suis grave à fond dedans. Mais il est prenant. Hein. Et puis, il est plutôt bien fait. Hein. Oui, mais meuf, c'est bon. Il y a quelqu'un qui est là, il ne faut pas abandonner, mais bon, c'est pas très, très grave les traductions. Rose est certainement à ce château. Dame, si tu vas à ce château, tu n'as pas de vie. Et moi, je suis la seule. Père ? Oh ouais, mais frérot, mais alors lui, il lâche pas l'affaire, hein. Père, non, c'est pas mon père. Je suis en train de me Non, mais non, mais non, mais... Mais non, fais pas ça. Mais elle est pas vraie, mais elle est pas sérieuse, elle. Elle va se rebouffer par son dard, de toute façon. La monte sur ton pas. Bon, voilà, quoi, elle est descendue pour rien. Bon, voilà. Elena, perte de temps.
Allez, la cinématique là, il me reste 1 minute 49. La cinématique elle est gentille, mais. Elle me fait perdre du temps, hein. Vas-y. Vas-y, je vais rien récupérer là-dedans, moi, je m'en fous, c'est bon. Moi, je veux voir la suite là, je veux avancer vite. C'est sûr, il est pas mort, le yeux. Bon, et là, je fais quoi? Mais pourquoi je peux. Mais je peux toujours pas récupérer ça. Ah, si, il tourne vis! T'inquiète même pas. Allez vite. Il nous reste combien de temps? Oh non, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. Oh, c'est qui elle? Ah, c'est elle! C'est la chef. Ah, c'est elle, Miranda. Ah, ouais, hein. C'était elle. Vas-y, go, on la chase, hein. Ah, elle est plus là. Ah, est-ce que je vais avoir le temps? On s'en fout, la vieille, dégage. Vite. Non. Je veux voir ce qui allait se passer. C'est pas grave. On a bien avancé. On a super bien avancé. Dommage. Je voulais voir ce qui allait se passer derrière la porte. Ah non, je ne verrai pas ce qu'il y avait derrière la porte. C'est trop frustrant. En tout cas, c'était plutôt cool, plutôt stylé. La prochaine fois, donc dimanche, je vais essayer de faire plutôt un live, comme ça vous allez pouvoir jouer avec moi, enfin interagir avec moi et tout. Ça va être beaucoup plus stylé. Et la fois d'après, on pourra revenir au village, parce qu'il y aura le village plus le château. Donc il y a moyen qu'on voie ce qu'il y avait derrière cette porte pour aller au château et tout ça. Donc on se donne rendez-vous ici même sur la chaîne, donc dimanche prochain pour la partie sur le château. Et après, le dimanche d'après encore, pour pouvoir faire le village et le château. Et cette fois-ci, on va voir ce qu'il y a derrière cette porte. En tout cas les amis, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas... commentez à fond, dites-moi si vous aussi vous êtes frustré comme moi de ne pas avoir vu la fin derrière cette porte. J'ai essayé de rusher, mais malheureusement je suis pas arrivé. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne, activez la cloche pour rater aucune des vidéos. On se dit à très bientôt, à très vite pour une vidéo. Et puis sur ce, prenez soin de vous les amis. Ciao, bye bye. There is no one left. Bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow we're all gonna be dead. No, let me go! Chris, what the hell? Why? Ethan Winters. Welcome. Get off of me! Stay the fuck down! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job.